Je trouve que le défi de janvier est parfait pour se challenger, à surmonter ses envies, mais aussi à casser cette idée et cet automatisme que l'on a entre bar égale soirée égale pote égale boire de l'alcool. Un mois sans alcool avec le défi de janvier, c'est se donner l'opportunité de dire non merci à un verre d'alcool que l'on aurait eu tendance à accepter en temps normal. Mais on peut se poser d'ailleurs la question, qu'est-ce que boire de l'alcool en temps normal ? Le non merci, même s'il n'est pas socialement accepté, permet de repenser sa consommation au quotidien, mais aussi prendre davantage en compte sa santé. Donc, à votre défi de janvier.